Bonjour à tous et à toutes, je suis Arlus et bienvenue pour la suite et le début du dernier chapitre de Neverwinter Nights, Hold of the Underdark. La dernière fois, après moult et moult problèmes, hein, comme d'habitude, nous avons donc terminé, malgré un petit bug du jeu, je pense, la quête principale du deuxième chapitre. S'en est suivie une bataille grandiose, si je puis dire, contre les forces armées de la Valchares, et un combat intense contre celle-ci, malgré le fait que l'archidémon Méphistophélès l'a trahi et du coup nous a tué, clairement tué, puisque nous sommes, semblerait-il, une des personnes qui peuvent le détruire et lui tenir tête. Donc, le début de ce chapitre 3, de ce dernier chapitre, et nous sommes chez le faucheur. Pourquoi ? Gloire au mort. Ah, la silhouette en gros, est... La silhouette encapuchonnée des armées familières du faucheur se combat très proche, toujours aussi énigmatique. Des flammes semblent danser dans le miroir impénétrable qui lui tient lieu le visage et vous frissonnez malgré vous. Comment puis-je vous servir ? J'ai péri ! Il faut que je retourne à l'endroit de ma chute ! Désolé, dit le faucheur en suivant le monde de Toril, vous êtes interdit, je ne puis obéir. Quoi ? Mais qui m'en interdit accès ? L'accès à ce monde est interdit sur l'ordre de Méphistophélès. Je suis désolé, Méphistophélès, comment je... Et je dois lui obéir. Vous travaillez donc pour Méphistophélès ? Oui, le prince des enfers se sert de moi, comme de tout le monde, dans sa nature. Je n'ai pas toujours été son sujet, mais je le suis depuis qu'il a appris mon vrai nom. Mais qu'est-ce qu'un vrai nom ? Chaque être possède un vrai nom qui définit son essence même, son existence, et vous apprend votre vrai nom. Il invoque devant vous, vous ne pouvez qu'obéir. Méphistophélès a découvert mon vrai nom il y a longtemps, et j'ignore comment. Désormais, il a tous les pouvoirs sur moi, que je le veuille ou non. Méphistophélès s'est aussi servi de vous en concluant. Un acte diabolique dont vous n'avez jamais eu connaissance. Un lien fut forgé entre vous et lui au moment où vous avez découvert cette relique. Et en tuant l'être qui le maintenait prisonnier, vous avez troqué votre place contre la sienne. Je dois détruire pour votre trahison. Vous possédez certes de grands pouvoirs, mais je ne peux pas faire partie de ce royaume qui est partout et nulle part. Pour me détruire, il faudrait que vous me détruisiez partout à la fois, et c'est impossible. Mais qui a pris ma place? Il a troqué votre liberté contre ses chaînes, il était auparavant dans le plan de Carnia. Mais de par sa félonie, il s'en est libéré grâce au lien qu'il a forgé avec vous. Le lien qui lui s'est Kania, Kania plutôt, vous a incité à transférer. Mais qu'est-ce que le plan de Kania? C'est le 8e cercle de Bator, les enfers. On l'appelle également l'Angelé, profondeur de la fiction de Vénère. Ah, mais je ne suis pas à Kania. Vous oubliez son royaume à la fois partout, nulle part. Il est sur Kania comme partout ailleurs et nulle part. D'accord, alors. Non, fils d'enfer, m'a donné ordre de vous interdire d'accord. Ah oui, d'accord. Oh, cool, 300 points d'XP. Vous ne connaissez pas mon nom, je ne pourrais. Vous ne pourrez m'ordonner. D'accord, y a-t-il d'autres reliques? Aucune, très bien. Je ne sais pas venir, mais si jamais vous le prenez, vous serez libre. Bon. D'accord. Alors, la quête. Tintin. Pour fuir les enfers, l'archidiame et Méphistophélès vous a joué un sale tour à l'air donné, votre mystérieux allié, là, votre eau profonde, là, faucheur, là, non. Nous sommes là de contribuer et d'apprendre vous-même le vrai nom du faucheur. Oh. Oui, alors par contre, ça n'est pas normal. Le petit... Oui, j'ai un petit bug de. Oui, un petit bug ici, hein. Au secours. Au secours, je vais voir si ça continue. Parce que moi, ça me gêne. Oui, au secours, oui. Alors, cité des âmes perdues. Oh putain, oui, ça continue. C'est un peu gênant. Écaire. Alors par contre, c'est un petit peu gênant, hein, le jeu. Hein, je me prends les dégâts en même temps, c'est pas grave. Donc, je vois pourquoi ça fait ça, je vous reviens tout de suite. Voilà, de retour. Oui, c'était juste un petit problème de capture, mais tout va bien. Donc vite, léchez la carte. Alors, une silhouette très... Oui.
Bonjour, bonjour. Bonjour, qui es-tu, que veux-tu? Alors. Oh. Mais comment? Explique-moi. Doril, c'est de là que je viens. Asmodée. Oh là. Pardon, excuse-moi, j'ai eu un nom en tête. C'est un moyen de l'empêcher de nous dévorer. La plus audacieuse d'entre nous, la pleine de vie, déjà la plus pleine de vie. Quel était son nom? D'accord. Bah de rage quand le fils de ça. Ah, intéressant. D'accord. Mais qui est le scribe? Allez, on prend les quêtes, Revenons là. On va voir. Très bien. Eh ben écoute. Bon, j'ai une carte et je suis donc au corps de garde. Des esprits. Et là. Vers le corps de garde. Ok. Alors, par contre, je me suis pris les dégâts tout à l'heure. Esprit. Oui. Bonjour. D'accord. Esprit. Esprit. Non. Non plus. Eh bien, il fait un petit peu moche chez vous, les mecs. Je veux dire. C'est quoi ça? Pilier gravé tromperie. Ah. Encore à mort. Je pense que beaucoup de gens vont mourir. On explore un petit peu. Bureau de la carrière. Oh, intéressant. Alors oui, comme d'hab, je le rappelle, j'ai une soluce juste à côté de moi. Au cas où je me trompe, pierre gravée alternée. Et des ouvriers. Diablotin de la carrière. D'accord. Sachant que là, mon attente sur ce chapitre, c'est qu'il soit beaucoup moins dur que le chapitre 2. Oh, salut. T'es beau, toi. Toi, je t'aime beaucoup. Lâchez-moi. Oh, t'es beau. Oh, la vache. Regarde-moi, c'est comme il est beau. Alors. Fichez le corps. Je suis occupé. La broyeuse 5 vient de lâcher. Tant de sacs à pouces incompétents. Le magasin est fermé jusqu'à ce que je me sorte de cet enfer. Ok. Ok. Eh ben écoute, je vais t'aider. Ce sera la petite quête d'aujourd'hui. Alors. Esclave. Esclave! Oui. Oh. Oh, bonjour. Oh, oula, vous êtes... Vous êtes un petit peu... Vous êtes un petit peu, voilà. Carrière de glace. Oh! Oui. Démarrer un feu avec de l'amadou. Oh, bizarre, le ciel de Cania a éteint la faible flamme avant que le feu puisse prendre. Il va falloir trouver autre chose pour faire du feu. Et si je te cassais mon caillou? Ah, esclave. De la carrière de glace. Oh, Bonjour. Je cherche la broyeuse. Alors, cherche celle où il y a un diablotin dans les rouages. Merci. La Sensei Gatesley. La compagnie des planètes. Ok, mais merci. Merci, monsieur ou madame. Ah merde, vite. Au secours. C'est quoi ça?
Ouais, ça va être en parfait état de marche. Ce n'est pas celle-ci. Ah, je crois que je l'ai trouvé. Eh, les gamins. Eh, Billy. Non, mais t'es gamin. Réussi. Yeah. On mettait là-dedans pour le monde de tout ce qui est mort. Lucan. Le bras est blessé, vous pouvez pas travailler comme ça. Et vous avez raison, je peux pas travailler comme ça. Je viendrai tout le monde, je suis un génie. Comment t'as appelé le jeune? Ah ah, fanéant, connaissez-vous le nom du faucheur? Ah, c'est une question en piège! La preuve est garée, être arrivé ici. Ah, le dormeur? Apparemment, le boss l'a mis un vénard, moi aussi, je ferai bien. Mais Mephistopheles, votre travail. Comment tu t'es coincé la main? Ouais, vous l'avez fait exprès? Ouais. Bon, salut. Allez. Ah, réparer. Merde. Réparer. Au secours. Ah. Madame, j'ai cassé, j'ai tout cassé. Oui. Non. J'ai tout cassé. Non, bon, d'accord, ok. Bon. Bon, bah, voilà. Bon, je pense qu'il n'y a rien d'intéressant à regarder ici. Bon, bah, voilà. C'était plutôt bien. Par contre, je me prends des dégâts, c'est pas cool. Bon. Qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire, de toute façon? Lol. Dis-moi, mon petit grule. Lâchez-moi. Oui, bonjour. Fichez le camp, vous comprenez? Oui. Lâchez de pile, c'est quoi? Parlez, je vous entends. J'ai... J'ai démonté votre broyeuse. Vous avez démonté... Il y avait un diablotin coincé dedans, il y a toujours un diablotin coincé dedans, beau grenade. Pour faire passer un diablotin à la broyeuse, les diablotins ça ne coûte rien, mais je tiens sur moi. Vous faites quoi? Comment ça, franchement, c'est du commerce. Je peux vous payer 35 000 de... achète 30 000, mon petit gars. Alors tiens, 30 000. Bon, écoutez, ouais, 30 000 euros. Vous pourrez peut-être croiser votre travers. Vous attendez des remerciements? Vous m'avez bien regardé. Et puis quoi encore? Mes fesses pour aller au GOG? Fichez le camp! Attends, je vais me parler de Mephistopheles, le grand M. Reposant sur votre ténébreux et malfaisant, bien sûr, vous avez chance que vous soyez arrivé à jour, ne serait-ce qu'à chiffre de cette arène-là. Mais qui est-il? Seigneur, le 8e enfer second. Seulement à ce mode seigneur de Nessus, le 9e enfer, qui est roi de dos comme moi, c'est un bête, c'est un diable. Vous êtes tant parlé de la Balcharès, est-ce qu'on va prendre le thé, d'accord. Et qu'avait-il? La même chose que tous les diables, tuer un démon à la guerre sanglante. D'accord, ça ne veut donc rien dire. Quel honneur, un honneur incroyable. Revenons à mes autres questions. Quel est ce lieu? Bah, beaucoup trop de questions, salaud. Je vais t'acheter un petit truc. J'ai changé la dernière livraison de glace contre quelques objets de la capitale et dire que ces idiots continuent de m'enfiler leur héritage. Jetez un oeil, mais vas-y. Eh, j'ai gagné 700 d'XP. Je gagne beaucoup d'XP en ce moment. Je pense que ça doit contrebalancer un petit peu. Alors, qu'est-ce que nous avons? Des vêtements, les armes, les parchemins, les potions. Potion, c'est quoi les potions que j'ai moi? C'est guérison suprême. Tu as guérison suprême. Tu as guérison suprême. Attendez, je peux faire? Non, ok. Je vais t'en prendre plein, écoute. Hein. Voilà, je pense que j'en ai assez. Je dois en avoir au moins beaucoup trop. Donc je m'en fous là. Guérison suprême. Je m'en fous là.
Ouais, il y a un objet magique. Un sceptre de résurrection. Mais j'en ai pas déjà un. D'ailleurs, il lui reste combien de charges? Charge, résurrection, 13. Ça va. Ça. Discrétion. Ah oui, c'est vrai que j'ai une discrétion et bon. Tiens, je t'emmerde et moi je m'occupe de ça. Oh, j'ai un cœur de l'obélisque qui ne me sert pas et qui va peser sans doute. Pas ah non. Il n'a pas rien. Tant mieux. Là, je dois avoir pas mal de trucs, je pense. Exactement. Tiens. Prends ça. Ça, je le garde. Ça, je le garde. Non. Attends, c'est quoi que j'ai vendu? Oups. Je crois que j'ai vendu un truc. Utile. Ah oui, non, ça va, non, c'est bon. Là, oui. Là. Du caca, du caca. Encore. Et toujours. Et toujours. Là, il y a du bordel. Ouais. Bon, la reine, mais ouf. Qu'est-ce que je peux te vendre? Tiens, ça me sert pas. Un collier. Un sort. Une emblème d'aura divine. Pourquoi je peux pas la mettre? Ah bah tiens, prends ça. Alors là, ça va être le petit moment marchand. J'ai un cœur de... Ah non, un poison de babélite. Ah, ça peut être utile, écoute. Et là, dans tout ce bordel, je n'ai que dalle à te vendre. Que dalle à te vendre. Du coup, j'en étais là, moi, objet magique. Et là, qu'est-ce que nous avons? Les baies de Velox. Pour une personne, moi, je trouve vraiment particulièrement difficile car la chaleur dégagée par une allumée, un feu qui brûle plus longtemps. Oh, mais ça m'a l'air très très intéressant. Ah oui. Bon, eh ben écoutez, moi ça me paraît très très bien. Du coup, on va continuer. Je vais quand même prendre les baies. On va en prendre. Non, dégage. On va prendre toutes les baies. Écoute, voilà. Je pense que ça peut être utile. Voilà. Du coup, ça c'est réglé. Je ne peux pas te voler. Du coup, petite sauvegarde. Et puis, je pense que on a déjà pas mal fait. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors oui, je suis là moi. Et je me prends des dégâts. Ah, j'ai pas vu qu'il y a un chemin là, j'avais pas vu. Oui, je prends un dégât de froid. Oh mon dieu, je prends un dégât de froid. Ah mon dieu, j'ai mal. Ouais, là j'ai pas vu, il y a un truc. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oui, on a des trucs. Une petite tente. Un esprit. D'accord, tu ne me parles pas. Là, on a un buisson. Oh, un petit buisson. On va essayer d'accueillir deux baies. Oh, bah écoutez, j'ai deux baies en plus. Je pense que je vais peut-être allumer un feu. Je pense d'ailleurs que je vais faire un truc, c'est de voir combien de baies je possède. Ok, très bien. Là, il y a quoi? Il y a un caillou avec marqué. Et Élysée. Oui. Très belle vue, là, cependant. J'aime beaucoup. Là, qu'est-ce qu'on a? On a une caverne. Oh, une petite caverne. Ça, c'est intéressant. Ça, tu vois, ça m'intéresse. Une caverne. Alors, qu'avons-nous? Ok. Ah bah, le scribe. Êtes-vous le scribe? Qu'est-ce qui se passe-t-il, petit être? Oh, merde. Une image commence à se former au-dessus de sa tête. Alors, regarde plus près, vous voyez une femme parfaitement immobile dans son visage. Mais qui est-ce? N'attendons aucune chose de créature coincée dans.
Elle est dans cette caverne. Que puis-je faire, la seule terraformer sur lequel sont gravés de nombreux, de noms innombrables. Le mur semble infini, des filtres se courant sur un unique espace vierge pour que c'est un nouveau nom. L'image se transforme, j'ai gagné un scribe. D'accord, ok. L'image se transforme une île, vous percevez le désir de la créature de se diriger vers l'un des mesures annuelles qu'elle. Et qu'épiez-vous que je vous avais deux images fusionnent au-dessus de la tête. La première représente un animal gigantesque doté de défense. L'image se concentre sur la partie lisse qui pend entre ses défenses, donc une trompe. Je pense que la seconde image représente un homme à table désignant par les petits grains à blanc qui se trouve dans son nazi. Très bien. Alors, du coup, journal de quête. Alors, carrière du diable, c'est mon esprit dévoué. Oui, ok. Donc, le scribe. Ok, il est là, le scribe. Les enfers, c'est ma quête principale. Les pèlerins du dormeur, c'est une personne que je dois trouver. Et un chef iré, c'est une personne que je dois trouver. Donc, l'emmener, oui, pilier, bah trompe, bah voilà, la trompe elle est là-bas. Tu me suis? Mais c'est mignon, mais attends, mais à quoi tu ressembles? Mais t'es tout mignon, regardez comme il est mignon. Regardez cette personne. Est-ce qu'il vous inspire pas la confiance? Franchement. Moi je suis oui, je me prends des dégâts de froid, oui c'est vrai, il faut que je bouge. Hein, lol. Donc, tromperie. Aïe. Va vraiment falloir que j'allume que je trouve un feu. Alors, tromperie ici. Voilà. Je crois que c'était bon. Je pense que c'était bon même. Ensuite, un truc avec des hommes. Bah c'est pas, faut que je le cherche, alors on va explorer. Faut vraiment que j'allume un feu, moi. Oh, j'explore un petit peu aussi, oui, ça pourrait être pas mal. Un campement, ah, ce campement pourrait être utile. Utiliser une baie de Vélox. Oula, alors attends. Hop, petite sauvegarde. L'amadou, le bizarre, ouais, donc une baie. Oh, level le camp. Mais ouais, c'est ça, c'est ce que je pensais. Je ne peux que me reposer sur les campements. Esprit des morts. Oui. Ah mais salut. Oui. Non mais. Mais. Oui. Mais. Oui. Non mais. Madame. Pourriez-vous me dire où je pourrais voir quelque chose de chaud? Merci madame. Esprit des morts. Toi tu es mort. Oui. Ok. Bon, toi je sais où tu es. Maintenant, je t'ai repéré. Mais je peux pas te voir, du coup tant pis. Pèlerin, encore un pèlerin. Oui. Bonjour. Si vous voyez, alterne le livre. Si tu veux, bro. Si tu veux. Ah! C'est quoi ça? Coordonnées taverne. Ah bah la taverne. Oui. D'accord. Ah, un buisson, cool. Là, plein de buissons. La cueillette de la baie de Vélox se fait dans des plans qui ne sont pas les nôtres. On peut les reconnaître en attendant qu'on les trouve dans des endroits extrêmement froids. Un cristal!
Waouh.